Foxa! Changer! Foxa! Changer! Francis! C'est le principal adversaire du PPM à Fort-de-France. En 2014, la liste Foxa Changer Foi de France recueillait 8400 suffrages, 34% des voix, loin devant les autres listes d'opposition. Une fois encore, le Palima et ses alliés s'appuient sur leur ancrage dans les quartiers. Nous devons faire en sorte, autant que faire se peut, parce qu'à Fort-de-France, on a plus de 136 quartiers, mais en tout cas que les grands ensembles soient représentés. Après 75 ans, la forteresse progressiste est toujours en place. Francis Carroll, pour la quatrième fois candidat, attend patiemment son heure. C'est vrai que le PPM n'a plus la puissance de frappe qu'il avait avant, ayant perdu notamment la principale collectivité. Et c'est vrai aussi que la gestion actuelle est catastrophique. Je savais dès le départ que la conquête de la ville de Fort-de-France aurait été difficile, que ça prendrait du temps, des années, parce qu'il y avait un leader comme Aimé Césaire, dont les héritiers ne respectent plus la pensée et il fallait du temps. Aujourd'hui, nous considérons que le travail que nous avons fait est suffisamment considérable. Désormais, la situation se présente autrement. La liste Palima, MIM, CNCP Tendance Léotin et Martinique Écologie s'appuie sur la majorité territoriale pour mener son combat. La victoire de Francis Carroll et de son équipe à Fort-de-France doit être une avancée, non pas pour Fort-de-France, seulement, mais pour la Martinique entière. En marge de cette campagne municipale, impossible de ne pas interroger Francis Carroll, conseiller exécutif en charge de la santé, sur les événements d'hier à l'aéroport. Voici sa réponse. Je dis très clairement que ce type de comportement n'est pas productif et n'a aucun intérêt. Nous ne sommes pas dans une lutte contre des touristes qui viennent à Martinique. Nous sommes en train de nous battre pour protéger au maximum les Martiniquais. Et crever des pneus, lancer des pierres, cela ne correspond pas à ce qu'il nous faut faire. Et je suis extrêmement clair, précis et ferme sur cette position. La liste Foxa Changer Foi de France dit espérer l'élection dès le premier tour. Cette année, 5 listes partagent la même prétention.